Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la fonction ENT, qui est une fonction mathématique, donc ENT, qui est l'abréviation tout simplement du mot entier. L'exemple qu'on va utiliser ici, c'est un petit tableau donc avec un nom de jour, un nombre de livres, un nombre de cartons, la capacité d'un carton, et grâce à la fonction ENT, on va calculer le nombre de cartons remplis. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un calcul pour connaître le nombre de cartons. On a fait donc le nombre de livres divisé par 20, qui est la capacité d'un carton, et on obtient un nombre décimal. Et de ce nombre décimal, pour connaître le nombre de cartons remplis, on va devoir récupérer uniquement l'entier. Pour ce faire, on fait le signe égal, on écrit ENT, la fonction ENT, on ouvre une parenthèse, et le seul argument de la fonction ENT, c'est la cellule pour laquelle on veut récupérer, dans laquelle on veut récupérer le nombre entier. Donc on sélectionne cette cellule, on ferme la parenthèse, on fait entrer, et là on a notre nombre de cartons remplis. Donc effectivement 4,25 ça veut rien dire, là on a 4 cartons qui sont remplis. Voilà pour cette fonction ENT, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur d'autres fonctionnalités sur la chaîne YouTube.